Aujourd'hui est la première expérience de ce nouveau challenge que je me suis mis. Que je me suis encore mis. Qu'est-ce que j'attends ? C'est vrai que les challenges nous font avancer, nous offrent des précieux cadeaux, peut-être les plus grands, comme l'amour, la joie, même la peur. En tout cas, tous ces challenges nous récompensent systématiquement. Et pourtant, des fois, je me dis, qu'est-ce que t'attends ? Qu'est-ce que tu cherches ? Oui, je cherche quelque chose, c'est sûr. Peut-être à m'occuper, pour donner du sens à cette vie que je trouvais un peu triste jusqu'à maintenant. C'est pourquoi j'aime bien les missions de vie. Trouver sa mission de vie, ça donne vraiment du sens profond. Même si au fond de moi, je sais que le bonheur est dans les choses simples, comme jardiner, se balader dans la nature, respirer, chanter, s'embrasser, rigoler et jouer surtout avec les enfants, petits et grands. Pourtant aujourd'hui, j'ai envie de me challenger, de me prendre au sérieux pour changer les choses qui ne me conviennent plus. C'est ça la force du challenge, celle de nous donner du courage, de l'engagement, de l'amour inconditionnel. Alors aujourd'hui, je continue ce chemin de guerrier, mais pas n'importe lequel. Le guerrier qui sommeille en chacun de nous. Celui qui aime les challenges, qui est empli d'amour, de joie et d'engagement. Celui qui s'engage à être bien, à être mieux avec lui-même, avec les autres et avec son environnement. C'est le guerrier spirituel. Alors, est-ce que cette nouvelle formule vous plaît ? Si elle vous plaît, laissez un like, ça me permettra de voir si ça vous plaît. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter aussi si vous avez envie de partager des choses et à partager éventuellement cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une belle journée. Merci.